C'est vrai, aujourd'hui, on s'attendait quand même à une équipe de FC Police très accrocheuse, qu'elle essaye de mettre la pression sur notre défense, ce qui a été fait pendant les 20 premières minutes. Ça a été très très difficile, autant donné que mon équipe n'a pas beaucoup d'expérience africaine ou sur les matchs de la CAF ou de la Champions League. C'est une première pour pas mal de joueurs. Et c'est vrai qu'on s'est mis en difficulté pendant les 20-25 premières minutes où on a encaissé le premier but. Par rapport au match aller, on savait que le FC Police, le Police FC plutôt, avec ballon, ils sont meilleurs. Ils ont de bons joueurs. Et c'est vrai, aujourd'hui, je crois qu'ils ont opté par un jeu direct, un jeu lent, abusé des fois dans le jeu. On a su contrôler pas mal de fois, mais quand même, on a encaissé le but qu'on ne s'attendait pas. Et puis là, c'est vrai qu'on a eu le contrôle un petit peu du milieu de terrain, où on a eu quelques occasions. On est revenu avant la première mi-temps avec un joli but. Et puis, je crois, la deuxième mi-temps, c'était une gestion impeccable de notre part sur le plan défensif, où on a pratiquement fermé tous les espaces et on n'a pas laissé d'intervalle pour les joueurs du FC Police. Ils ont trouvé beaucoup de difficultés en deuxième mi-temps. Contrairement à nos joueurs, où ils ont eu pas mal d'occasions, pas mal d'opportunités pour essayer de marquer le troisième et le quatrième. Je crois même physiquement, on était meilleur que Police FC. Mais franchement, ça méritait mieux pour Police FC, surtout avec le ballon, avec une bonne possession, si ils ont joué comme le match aller. Mais bon, félicitations pour Police FC par ce parcours. Je veux dire, et félicitations pour mon équipe aussi et pour tous les joueurs qui ont fait quand même un bon match aujourd'hui.